Adeline me fait faire de l'escalade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, du coup, il fait presque chaud aujourd'hui. On se retrouve pour la chronique littéraire. Alors, cette fois-ci, nous ne sommes pas allés à la librairie de Sitre, mais la librairie avait organisé début septembre une rentrée littéraire avec une invitée d'exception. La librairie avait invité Annabelle Combes pour son magnifique roman La Calanque de l'aviateur, qui parle de résilience, rencontre avec une très 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 belle personne. J'écris tout le temps, donc de toute façon, tout le temps. La nuit, beaucoup. En étant maman de 6 enfants, oui, mais voilà, c'est aussi dû au fait que voilà, les épreuves de la vie ont fait qu'à un moment donné, j'ai fait une aphasie de parole. Et quand le langage, quand on fait un AVC et que le langage est perdu, alors moi ça n'a pas duré longtemps, mais il est quand même perdu, la mémoire n'est plus là. Et du coup, quand j'ai retrouvé les mots, c'était tellement somptueux. Déjà, de reconnaître, de pouvoir mettre le prénom sur ma fille. Je sais qui c'est, ça y est, je sais qui est cette jeune fille. Et puis voilà, de retrouver les mots, c'était tellement somptueux. Et donc je me suis dit que j'allais continuer toute ma vie à jouer avec les mots. J'écris, mais ça c'est parce que j'ai fait l'école du Louvre sans doute, d'une manière muséale, comme je me balade dans un musée. J'ai dit que c'était une partition, donc je ne me suis pas trompée. Non, mais en fait, quand vous vous baladez dans un musée, j'explique, vous flânez, puis d'un seul coup, il y a une œuvre et elle est pour toi, c'est la tienne et tu es scotché devant. Et je fais le même travail avec mon lecteur. Il y a une écriture assez ample, il y a des passages assez amples, et puis d'un seul coup, je demande à mon lecteur de s'arrêter avec moi. Et c'est pour ça que c'est décalé dès le départ, parce qu'on rentre, on prend le bouquin, on s'assoit et on fait œuvre de silence, de s'arrêter dans cette course-là. Alors ça ne veut pas dire que c'est écrit comme ça tout le temps, mais l'éditrice, elle est marrante parce qu'elle a vérifié sur le manuscrit, et sur le manuscrit, oui, les parties poétiques, elles viennent comme ça. C'est une histoire qui est pleine de tiroirs. C'est autobiographique ? Ah non, pas du tout. La résilience, c'est Certainement, avec tout ce que j'ai traversé dans mon existence, il y a une chose chez Lina que j'ai, c'est les cahiers d'auteur. C'est une évidence. À telle enseigne que... à telle enseigne que... Là, je sais, les gens me posent des questions. Mais comment t'as fait pour choisir les auteurs ? J'ai fait exactement ce qu'a fait Lina. J'ai pris les cahiers au hasard, voilà, et quand Maupassant est venu, j'ai mis Maupassant. Et il se trouve que Maupassant, Bowen, McKean, bah, ils disent quelque chose à chaque fois, qu'elle peut dire, et c'est là où tu vois que l'œuvre s'écrit d'elle-même. Ouais. Elle avance d'elle-même, parce que quand on travaille en littérature, les personnages, c'est de la chair. Lina, elle a... Bon, on va rentrer dans cette histoire, comprendre pourquoi cette jeune fille, cette jeune femme, elle a 22 ans, mutique, arrive. Elle a quand même basculé dans ce silence à un moment donné qui est pas... En fait, qui aurait pu être un silence d'enfermement, mais qui est un silence dans lequel elle va déployer quelque chose. Et alors, effectivement, quand elle déploie et qu'elle se met à déployer, elle ne fait pas autre chose que d'aller vers l'inconnu en se disant « mais chaque personne inconnue en face de moi, j'ai quelque chose à lui donner, mais lui surtout a quelque chose à me donner ». Et donc c'est vrai que je revisite beaucoup le rapport parce que je pense qu'une fois qu'on a compris qu'on pouvait mourir ce soir, entre guillemets, et qu'on n'est pas là et que chaque moment dans la vie c'est une merveille, et ben dans notre vie, quand on se couche le soir, à quelle personne j'ai dit bonjour que je connaissais pas, voilà. Et Lina, c'est ça. Puis après, c'est ce qu'elle va faire de tout ça. Donc des rencontres. Et puis il y a aussi la manière avec laquelle elle se construit. Elle pose des actes décalés. Ça la dérange pas de dessiner sur une plage avec ses pieds. Ouais. Et c'est ça que j'aime. C'est le fait que, oui, moi je pose un regard poétique sur les choses, mais après, quand on traverse quelque chose de douloureux, et elle traverse le silence. Pour moi, ce qui est très important, c'est le côté créatif.
On a besoin de se laver intérieurement aussi pour faire face à la maladie. Pleurer, c'est aussi... C'est comme la pluie. La pluie, elle va dans... Mais oui, elle va dans la terre et elle revient. Et si on buvait pas, on pourrait pas tenir. Donc nos larmes, c'est quelque chose de... je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, ce n'est pas bleu, justement. C'est un arc-en-ciel qui fait qu'on est debout. C'est par nos larmes qu'on est debout. Puis c'est surtout que quand on va sortir de tout ça, le soleil il resplendit tellement fort, on n'a plus la même perception des choses. Voilà. Mais je peux pas. Il n'y a jamais de conclusion parce que chaque matin on se lève et chaque matin c'est nouveau et chaque matin faut affronter. Et c'est surtout chaque soir quand on se couche. Si j'ai chialé toute la journée, mais il y a forcément un moment où cette larme-là, elle était verte et elle était pour moi. Voilà. C'est. Merci Annabelle. Ah, merci à vous de m'avoir accueillie. Alors vous le savez, nous terminons, nous arrivons presque au terme de cette émission et nous terminons comme chaque fois avec la chronique zen de Karine Fombonne. Namasté. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette chronique yoga de l'émission Hope. Alors aujourd'hui on va parler plutôt respiration. Pour vous aider dans vos moments de stress, gestion du stress, mais aussi ça peut vous aider le soir pour vous endormir. C'est vraiment des petits exercices et des outils pour vous aider à tout moment de la journée, même dans votre voiture. C'est un exercice tout simple de cohérence cardiaque que je vais vous apprendre, qu'on va faire ensemble et que vous pourrez répéter au moins 3 fois dans la journée. Alors, on va démarrer cet exercice. Le principe, c'est d'inspirer simplement et d'expirer. On inspire en 6 temps et on expire en 6 temps. Pour ça, vous installez bien confortablement, si vous êtes dans la voiture, dans le lit, sur un tapis. En l'occurrence, si vous êtes sur un tapis, vous pouvez croiser les jambes, dégager un peu vos ischions, bien relever un petit peu la colonne vertébrale, allonger votre colonne vertébrale, la tête dans l'axe, et ouvrir votre poitrine, votre cage thoracique, pour bien dégager les poumons. On y va, je vous guide. On inspire sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire, 2, 3, 4, 5, 6, et le dernier, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'a fait 6 fois, ça correspond donc à 1 minute, il faut donc le faire 5 minutes, 3 fois par jour, et vous verrez que si vous le faites tous les jours, vous verrez certainement une amélioration du rythme cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est vraiment arriver à gérer le cerveau avec les mouvements cardiaques du cœur, les mouvements du cœur. Donc c'est vraiment arriver à ralentir les mouvements du cœur. Le cerveau envoie un message au cœur pour ralentir les battements du cœur. Donc c'est vraiment un exercice pour arriver à s'apaiser, à mieux dormir, et puis aussi un exercice qui permet d'avoir une meilleure santé puisque ça agit aussi sur le système immunitaire. Voilà, vous pouvez le faire donc 3 fois par jour, tous les jours ou tous les 2 jours, et à chaque moment où il y a un stress pour vous, vous pouvez le faire sans problème, et n'oubliez pas de bien inspirer et expirer par le nez. Voilà, à la prochaine. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Adeline est morte de rire derrière la caméra puisque je dis absolument n'importe quoi. Alors,
N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Ce sont toujours les mêmes personnes qui commentent. Et on a besoin de vos commentaires pour évoluer un petit peu. La prochaine émission, nous irons chez Pierre Vola, notre parrain cavalier. Nous irons à Saint-Étienne pour faire son portrait et passer une journée à son côté. Et puis, je voudrais remercier Sophie Rosset qui nous a ouvert grand les portes des Equimasters du Chazet où nous avons rencontré plein de gens. Et chose très très importante, nous serons présents à Equitalion avec 6 cavaliers qui vont monter sous les couleurs de notre association. Alexandre Ayache, Morgane Barbançon, Anne-Sophie Serre et Stéphanie Brieussel pour la Coupe du Monde de dressage. C'est super important, on est ravis et on ne sait pas comment les remercier. Nous aurons également Denis Troussier qui montera sous nos couleurs en CSO et Marine Vallot dans le top 10 de dressage. Et puis si vous voulez nous rencontrer, l'association Hope, eh bien, nous serons sur le stand de Childeric avec Mats Pernou que nous remercions également grandement. Vous vous rendez compte de la chance que l'on a, des cavaliers qui se mobilisent contre le cancer, des cavaliers qui se mobilisent pour soutenir notre association. Donc rendez-vous à Equitalion jeudi et vendredi de cette fin du mois d'octobre. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous donne rendez-vous fin novembre, début décembre. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur Equitalion. Ciao!